acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, tu es grand, quand il est glorieux, quand il est glorieux, tu es grand, par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, tu es roi, fort et redoutable, fort et redoutable. Honorez-le par vos louanges. Notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance, brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges éclatent dans nos cœurs, éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Merci. Parlons à Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour cette journée, de nous avoir donné ce temps pour nous réunir et de partager un moment d'oration, d'adoration. Tu es le Dieu créateur, le roi de rois, et tu nous accordes ce privilège d'entrer dans ta maison, de te parler et de nous écouter ce que tu as à nous dire aujourd'hui, Seigneur, à travers les paroles, à travers les chants que nous chanterons, à travers les paroles des autres. Amen. Nous lisons dans les psaumes, psaume 139, versets 13 à 18. Psaume 39, versets 13 à 18. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu cache dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis un créateur merveilleux. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Ces versets étaient dans ma tête en réveillant l'autre matin. Et ça m'a interpellée que Dieu lui-même m'a créé, m'a planifié,
depuis le début du temps. Et voulez que je suis ici, maintenant, et vous aussi. On va chanter deux chants, qui peut-être pas très connus, mais au moins le deuxième n'est pas très facile, pas très difficile, mais on va voir pour les autres. Avec les deux Ivania, merci. C'est le 402 et 429. Dieu, tu es grand et digne de louange, suivi par Je reverrai l'aurore. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donne la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous prions des genoux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Prions les genoux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour n'est à jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Thank you.
C'est un verset qui vient de Psaume 57, si je ne me trompe pas. Le chant des invites. Je réveillerai l'Europe. Très bien. Alors, la deuxième lecture se trouve dans Ésaïe, chapitre 6. Versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins s'étonnaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Et s'écriaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi d'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un de ses séraphins a volé vers moi, tenant un braise qu'il avait pris sur l'autel. À l'aide des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vois-je envoyé et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Moi voici, envoie-moi. » Amen. C'est un texte qui parle beaucoup. J'ai dit avant, Dieu nous a planifié. Il a un plan pour nos vies. Il a des choses préparées déjà. Il ne s'impose pas. Mais si nous sommes prêts, si nous le laissons faire, il peut se servir de nous. Alors, le chant 335 dit « Toi, lève-toi ». Chantons-le. Thank you.
Prochainement, dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Versets 25 à 30. Or, il s'élève de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Veux-même m'être témoin que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui l'a marié, celui qui a le marié, c'est le marié. Mais l'ami de marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve en grande joie à cause de la voix de marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Oui. Pardon, ce n'était pas la même version. C'est-à-dire, toute la vie de Jean était dédiée à Dieu. Même dans le ventre de sa mère, il se sursauta de joie quand Marie est venue le visiter, comme Marie enceinte de Jésus. Et maintenant que Jésus a commencé son ministère, il n'est jaloux, Jean, ni contrarié par ce changement de sa position, mais il continuera dans le rôle que Dieu lui a assigné. Et les œuvres que Dieu nous a planifiées ne seront pas nos propres œuvres, afin que personne ne puisse se vanter, comme c'est dit. Mais Dieu travaille à travers nous, même malgré nous. Si nous pouvons nous retirer, il augmente, je diminue. J'ai choisi un chant qui est dans le Gem Kids, mais je trouve que c'est bon pour tout le monde. Hosanna pour le roi. Gem Kids 44. Et après, on va voir des chants de Nathalie. Promis, il est en vie.
On a deux chants, je pense, de Nathalie. Merci. Les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu,
ô Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu. Ô Dieu, tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi. Comme toi. Tu changes pas, tu es le roi d'éternité, et quand j'ai peur, tu restes le roi sur mon cœur, espoir sans fin, qui lâchera jamais ma main, mon désespoir, tu l'as cloué sur la croix. Amour divin qui a donné sa vie pour moi, tout accompli pour me trouver enfin, et je confesse qu'il n'y a rien que toi pour moi. Tu me suffis. Je te regarde, vois mon nom gravé dans tes mains, je crois en toi, mon impossible t'appartient, je me prosterne, me tiens à l'ombre de la croix, et là je vois tes mains tendues vers moi, ô amour divin, qui a donné sa vie pour moi, tout accompli pour me trouver enfin, et je confesse qu'il n'y a rien que toi. Tu me suffis, ô Jésus, quand tu souffres, tu ne penses rien qu'à moi. Pour me trouver enfin, et je confesse qu'il n'y a rien que toi pour moi. Tu me suffis, ô amour divin, qui a donné sa vie pour moi. Tout accompli pour me trouver enfin, et je confesse qu'il n'y a rien que toi pour moi. Oh, rien que toi pour moi. Thank you.
Merci, Nathalie, les jolis sons. Je vous invite à prier, sentez-vous libre, de prier. Mais Seigneur, tu as tout accompli sur la croix. Merci que tu nous donnes ton salut. On a juste à recevoir. Merci, Seigneur. Ô Jésus, mon sauveur, mon âme déborde d'adoration pour ton nom, parce que tu as pris ma place sur la croix du Calvaire. Et ce matin, c'est libre que je peux m'approcher du trône de la grâce, car il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur ma vie. Tu m'as justifié, sanctifié, racheté au prix de ton sang. Et mon âme te loue, mon âme t'adore. Reçois l'adoration de mon cœur, du plus profond de mon âme, Seigneur, ce matin. À toi toute la gloire, la nuit. Seigneur, ce texte d'Ésaïe nous montre ta sainteté. Il nous montre combien tu es si différent de nous. Combien nous sommes peu conscients de ce que tu es dans cette sainteté. Mais tu t'es fait proche, tu es venu jusqu'à nous. Et tu demandes qui enverrai-je. Nous te bénissons parce qu'en toi, nous sommes aussi des témoins. Nous pouvons dire ce que nous croyons, nous pouvons partager ce que nous vivons. Merci pour tous les témoignages que nous voyons dans nos vies, dans la vie de l'Église. Merci pour cette liberté de dire, de parler malgré nos timidités, nos réserves, nos imperfections. Renouvelle en nous cette capacité de rendre témoignage par nos vies, aussi par nos parents. Amen. Mais Seigneur, bien avant la fondation du monde, tu étais là. C'est toi, Seigneur, qui nous as aimés le premier. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons d'être aimés par toi. Dans ce monde où il y a tant de détresse, tant de manque d'amour, nous savons que tu nous aimes et quand nous approchons de toi, Seigneur, tu nous as fait tes enfants, les héritiers du grand roi. Nous te louons pour cela, Seigneur, pour ta puissance, pour ta grandeur, parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Oui, Seigneur, loué soit ton nom, parce que tu es un Dieu incomparable, Seigneur. Toi qui es le Dieu de l'univers, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton immense pouvoir de création, Seigneur. Mon Dieu, je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes fortunées qui ont le privilège de passer des vacances dans des endroits paradisiaques. Qu'ils soient saisis, Seigneur, par ta puissance de création, Seigneur. Qu'ils puissent s'agenouiller, Seigneur, devant la beauté du spectacle, Seigneur, mon Dieu. Car, Seigneur, c'est par ta création, Seigneur, que tu nous parles, entre autres, Seigneur. Oui, Seigneur, lorsque nous regardons la beauté du paysage, Seigneur, tu es là, Seigneur. C'est toi qui as tout conçu, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous la plus belle des créatures, Seigneur, aussi. Tu as fait de nous des créatures merveilleuses, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu nous habites, Seigneur, et Seigneur, quand tes disciples étaient avec toi, Seigneur, Ils étaient pleins de doutes, Seigneur, et d'inquiétude, Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, Seigneur, tu leur as donné le pouvoir de proclamer la bonne parole, Seigneur. Seigneur, fais que nous ne soyons pas des chrétiens tièdes, Seigneur, mais que, habités par ton Esprit, Seigneur, nous puissions annoncer encore l'Évangile autour de nous. Car la moisson est grande, Seigneur, et toutes les brebis ne sont pas dans l'enclos, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, utilise-nous
Tu ne fais pas de favoritisme, Seigneur. Tu nous appelles chacun, Seigneur, à te suivre, à te connaître, Seigneur, et avancer avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes tous les jours, Seigneur, tous tes bienfaits, Seigneur, dont nous ne faisons pas attention, Seigneur, mais tu es là, Seigneur, pour chaque détail de notre vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli à la croix pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour ce privilège d'être aimé par toi, Seigneur. Merci, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es un Dieu au-dessus de tous les dieux, Seigneur. Nul n'est comparable à toi et nul ne peut nous apporter le salut que toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur, que ton nom soit loué à jamais, Seigneur, dans l'assemblée. Amen. Oui, Seigneur, que ta lumière soit maintenant dans nos vies, ici et pour toujours, et frappant. Que ton amour, Seigneur, ton amour, ce n'est pas le Dieu de l'amour, ce n'est pas une religion de l'amour, et l'amour n'est pas un concept. C'est une personne de Jésus-Christ. Que ton amour, Seigneur, l'amour, couvre toutes nos fautes, mes fautes. Merci Seigneur, que ta lumière soit, ouvre nos oreilles, afin que nous puissions apporter ce que tu nous donnes, selon nos mains pour vivre. En ton nom, Père. Amen. 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 On a l'opportunité d'apporter nos offrandes. On a le panier, peut-être un peu. Isabelle, peut-être tu peux passer le panier. Merci beaucoup. On va chanter dans le gemme 705, Reçois ma vie. C'est bon. Oh.
On va juste prier pour l'offrande et pour les enfants qui viennent. C'est qui a l'école de dimanche aujourd'hui? Merci Martine. Oui, merci Seigneur, tu es bon, tu es toujours bon. Tu nous donnes beaucoup de choses. Merci qu'on peut donner petites choses pour l'Église aussi, Seigneur, pour les choses que tu as, le projet que tu as pour nous. On te donne dans tes mains les enfants et les maîtrises pour l'école du dimanche. Merci de les instruire, de leur mieux approcher de toi, Seigneur. Merci pour ta bonté. Amen. Et on part pour le message de notre pasteur, hein, Antoine. Bonjour à chacun et une particulière bienvenue à ceux qui nous rendent visite. Je pense à la famille Sikh, tout particulièrement une salutation à Odélia d'avance. Nous sommes un petit peu en phase de transition au sein de notre église, notamment avec la technique. Il y a un gros travail qui est fait, merci pour cela. Il nous faut prier pour que nous continuions à progresser et voilà. Servir au mieux, non seulement dans cette salle, mais aussi sur YouTube. Nous sommes encore entre la résurrection de Jésus et l'ascension. C'est la semaine prochaine que nous célébrerons l'ascension. J'ai été beaucoup attiré par les mots de Jésus lors de la résurrection, et c'est inévitablement ces mots qui me guident encore ce matin pour méditer avec vous. Aussi, je vous propose de lire dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 11 à 22. Souvenez-vous donc de ceci, vous païens dans la chair, mais traité d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Je voudrais rajouter deux petits versets. Mais ce n'est pas la peine de les projeter, je vais les lire. Dans Éphésiens 1, versets 15 et 16, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints, pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne
un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Certainement, vous avez encore en mémoire ces mots de Jésus lors de la résurrection. Que la paix soit avec vous. Shalom. Shalom Ra. Cette paix venant de Dieu, cette paix si indispensable pour construire, pour aller en avant. Jésus pouvait déclarer la paix en raison de tout ce qu'il avait accompli à la croix. Paix entre Dieu et les hommes, c'est dont parle Paul ici. Paix entre nous. Puisqu'il appelle ses disciples frères. Et pourtant, la paix est une fleur extrêmement fragile. Malgré le printemps, elle peut ne pas tenir. Et en hiver, bien sûr, encore moins. L'apôtre Paul, dans le texte que nous venons de lire, développe trois aspects. D'abord pour dire à ceux en qui il a vu la foi en Jésus-Christ et l'amour, à ceux-là, pour leur dire, regardez ce que vous étiez avant de connaître Christ. Et regardez maintenant. C'est son premier aspect, autrefois et maintenant. Autrefois, vous étiez séparés. Autrefois, vous étiez privés. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches. C'est le premier aspect que je voudrais développer. Mais je voudrais développer aussi ce qui s'est passé à la croix, certains aspects de la croix. Je sais que nous savons beaucoup de choses, mais il ne s'agit pas seulement pour nous de savoir, il s'agit pour nous d'ouvrir nos cœurs, de nous laisser imprégner par ce que le Seigneur est venu nous apporter, parce que si nous fermons nos cœurs, nous ne recevons pas grand-chose. Si au lieu de tendre la main pour recevoir, je la ferme, je partirai bredouille. Et le dernier aspect, Paul conclut pour dire ce que nous sommes maintenant en Christ. J'essaierai de ne pas être trop long, mais d'abord le premier aspect. Autrefois, nous étions loin de Christ. Avant de venir à la foi en Christ, nous étions loin, même si nous étions très polis, très bien élevés, avec de bonnes valeurs. Pour l'apôtre Paul, c'est clair, si on n'est pas en Christ, on est loin de Dieu. C'est par Christ que nous venons à Dieu. Autrefois, écrit Paul à ses chrétiens d'Éphèse, mais cette lettre a beaucoup circulé dans les églises et elle continue à circuler. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous le dit grâce à cette parole apostolique. Autrefois, vous étiez loin. Séparés de Dieu, privés, séparés du peuple d'Israël. J'espère qu'aujourd'hui vous considérez comme israélites, c'est-à-dire fils d'Abraham, ayant la même foi que Israël, c'est-à-dire Jacob. Autrefois, nous étions loin de Dieu et privés. Alors, on était privés sans Christ. On est privé du droit de cité en Israël, on n'est pas citoyen d'Israël, étranger aux alliances, Abraham, Noé, les alliances en Ésaïe, David, nous en étions privés et nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Même si nous étions des êtres très religieux, sans Christ, nous étions privés de cela. Autrefois, maintenant que nous marchons par la foi, que nous marchons dans l'amour, c'est différent. Maintenant, en Christ Jésus. Alors, que veut dire cette expression en Christ Jésus? Elle est partout dans la Bible. Il faut qu'elle devienne tout à fait claire pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire en Christ Jésus? Deux ou trois choses essentielles. Dans notre union à Christ, de par la foi, de par la présence de l'Esprit, de par le bénéfice de son œuvre, mais aussi de par notre marche. En Christ, c'est une vie nouvelle qui a commencé, c'est un peuple nouveau que nous appartenons.
Maintenant, en Christ, et c'est seulement en Christ que nous sommes devenus proches de Dieu, que nous avons cette communion avec Dieu. Toutes les religions ne se valent pas, et toutes les attitudes non plus. Il nous faut vérifier que nos attitudes sont faites en Christ, et c'est là notre combat, notre quotidien, parce que l'ennemi voudrait bien nous écarter, nous emmener vers des espaces interdits pour nous éloigner du Christ. Nous sommes devenus proches en Christ par le sang de Christ, dit le texte. Alors, ce n'est pas de la magie. Hein. Parfois, j'ai entendu dans certaines églises l'utilisation du sang un peu comme une magie. Le sang de Christ veut dire le grand amour que Dieu a manifesté en Christ et qu'il a manifesté en ce que Jésus, son Fils, s'est offert en sacrifice. Cette référence du sang, c'est la référence au sacrifice. Derrière le sacrifice, ce n'est pas n'importe quel sacrifice, c'est la manifestation puissante de l'amour de Dieu. Pour nous, l'offensé est venu porter notre châtiment. En Christ, maintenant, nous sommes devenus proches. Maintenant, il faut donc bien réaliser, nous le verrons tout à l'heure, quels sont nos privilèges. Mais je voudrais relever maintenant le deuxième aspect, et je voudrais le relever, mais en citant d'abord ce qu'il nous a dit au verset 14, « Christ, c'est lui notre paix ». Tout à l'heure, j'ai entendu dans une prière que Christ est l'amour, Dieu est l'amour, et Dieu est amour, effectivement. Il faut bien voir de quel amour il s'agit, parce que le mot amour en français, il passe par tous les chemins et tous les égarements. Ici, il est dit que Christ est notre paix. Notre paix, c'est une personne. Et c'est dans cette union à cette personne que nous sommes au bénéfice de la paix, du et du pardon. Et je voudrais relever ce que dit l'apôtre, parce que notre combat est aussi de nous laisser conduire par l'Écriture et pas forcément par un certain nombre d'héritages qui s'égarent. Par exemple, vous connaissez peut-être Jacques Ellul, qui est c'était un pasteur, un enseignant protestant, et lui, il a pu écrire sur le fait que le christianisme a été complètement subverti. C'est-à-dire qu'au lieu que les chrétiens restent des chrétiens, ils se sont plutôt mis à imiter les pouvoirs romains, les attitudes romaines, et ont mis de côté un certain nombre de choses. L'Église s'est égarée à bien des endroits dans l'histoire, et nous devons vérifier que nous ne nous égarons pas. D'où le privilège de la parole de Dieu. Je voudrais relever l'œuvre de Christ. Il est la nature de Christ, c'est d'être la paix. C'est sa nature. Si Christ est en moi, s'il est en moi, cette paix doit paraître quelque part. Même dans mes courses, même dans mes stress. Et c'est tout un combat. Parce qu'il faut qu'il se manifeste, qu'il grandisse et que moi, je diminue. Mais notre monde est compliqué et parfois nos relations sont très compliquées. On a beau vouloir les simplifier, ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend aussi des autres et de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que produit la paix de Jésus ici? Des deux, des juifs et des non-juifs, il n'en a fait qu'un. Tiens. C'est une arithmétique assez étonnante. Moi, j'ai appris à l'école que 1 plus 1, ça faisait 2. Mais l'Écriture m'apprend que 1 plus 1, ça fait 1. Les mauvaises langues vont dire, mais lequel? Au sein du mariage, 1 plus 1, ça doit faire 1. On est d'accord, mais lequel? Celui qui domine? Il y a de fortes chances. Et dans la démocratie, c'est un petit peu comme ça aussi. 56 millions plus 1, ça peut faire qu'un, oui, mais lesquels? Est-il représentatif de la démocratie? Ce qui est extraordinaire avec
les mathématiques et la réalité théologique de Jésus, c'est que des deux, il n'en a fait qu'un. C'est-à-dire qu'il a harmonisé. Depuis le début de ce culte, nous travaillons à l'harmonisation. Avant de prendre ma guitare ce matin, j'ai 6 cordes. Si je laisse chacune aller de son côté, c'est cuit. J'ai besoin d'un... C'est une pièce que nous devrions avoir tous chez nous, un diapason. Parce que vous ne pouvez pas être en paix avec votre conjoint, votre ami, votre frère, si vous n'avez pas un diapason. Et notre diapason, c'est Jésus, son humilité, son travail à l'unité. Le problème, c'est que je fais souvent de moi-même le diapason des autres. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça. Et je dois faire vraiment attention à ce que mon diapason, c'est le Seigneur. Ce n'est pas à moi de tirer les oreilles à l'autre, bien que parfois on arrive à certaines situations où il faut dire ce que l'on pense, mais c'est peut-être à moi de me tirer les oreilles pour ajuster et de me tirer la langue pour ajuster à cette personne de Christ. Des deux, des juifs et des non-juifs, de ceux qui se considéraient comme circoncis mais qui n'étaient que dans la chair, et des circoncis de cœur, de tous ces circoncis de cœur, c'est-à-dire qu'ils savent dire non à leur volonté pour suivre l'Esprit, Dieu n'en a fait qu'un. Mais avant, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin pour faire un. Alors, en faisant un, Dieu n'a pas aboli les distinctions. Notre monde se trompe terriblement. L'homme et la femme, ils ont été créés pour être un dans le mariage et dans la société. Mais d'abord, c'est les machos qui ont dominé, et maintenant, c'est peut-être les féministes à outrance. Je n'ai pas l'impression qu'on a pris le diapason du Seigneur. Mais lui, des deux, n'en a fait qu'un. L'unité qui crée la paix de Christ, elle est extraordinaire, elle n'efface pas les différences. Elle n'efface pas les différences. Mais chose extraordinaire, Paul peut dire « il n'y a plus homme ni femme ». Je ne comprends pas. Je vois dans cette assemblée des hommes et des femmes. Il n'y a plus jeunes et vieux, nous avons tous des âges différents. Il n'y a plus des riches et des pauvres. Si, 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 on est là, on est tous là. Vous êtes bien là, on va respecter ce qu'est chacun. Respecter cette distinction, sinon il n'y aura pas d'unité. Il n'y aura pas de diversité. Sans diversité, il n'y a pas d'unité. Ce que Paul veut dire, c'est qu'il n'y a plus de mur de séparation. Il n'y a plus d'exclusion en Christ. Quel est mon regard sur la femme? Sur le vieillard? Sur l'enfant? Sur le malade? Sur le bien portant? Sur le noir? Excusez-moi les expressions. Sur le blanc. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de mur. Si vous alliez au temple de Jérusalem à l'époque de Jésus, vous aviez plein de murs. Vous aviez d'abord autour du temple les lévites, les sacrificateurs, etc. Un mur de séparation. Puis vous aviez les hommes juifs qui avaient la primauté. Et puis après, vous aviez les femmes juives séparés encore d'un mur. Et si malheureusement vous étiez étranger aux païens, il était marqué, alors je déforme peut-être un peu, attention, à partir d'ici, c'est à vos risques et périls. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Et Jésus est venu abattre tous ces murs, les enlever pour que les relations se fassent normalement. C'est extraordinaire. Mais avouez que du racisme, ça a été dans l'actualité de l'Église il y a encore peu de temps, et ça l'est encore. Les divisions, les séparations, les murs, on les reconstruit facilement. Mais Jésus est venu abattre le mur de séparation, l'inimitié entre les hommes au sein de son peuple. Qu'est-ce qu'il a fait pour cela?
Le texte nous dit, au verset 15, il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Il a annulé, est-ce que je ne dois plus tenir compte de la loi de Dieu? De la loi morale de Dieu? C'est pas ça. Mais par exemple, aujourd'hui, si vous pouvez être à table avec une personne juive, elle ne mangeait pas de porc. Le pur et l'impur, ce n'est pas une question alimentaire. C'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui rend impur, mais c'est ce qui sort de sa bouche. C'est ce qui sort de son cœur. C'est vrai que Jésus est venu enlever bien des lois cérémonielles. Il est venu montrer que le sacrifice suprême, c'est lui pour nous. Mais surtout, Jésus est venu accomplir la loi. Toute la loi. Et il est notre justice. En Christ, je peux dire que Christ est ma justice. Il a accompli pour moi. Ça ne veut pas dire que je dois faire n'importe quoi. Mais ça veut dire que d'abord, je suis justifié par la justice de Christ. Par la foi, je dois m'identifier à Christ, bénéficier de cette justice. Mais il a payé pour moi. Mais s'il m'a donné son esprit, Christ veut vivre aujourd'hui ce qu'il a vécu quand il était sur la terre. Donc moi aussi, j'essaie par l'esprit, par la foi, de vivre dans cette justice. Il est dit même que Christ est venu avec les deux, donc tous ces mondes séparés n'en faire qu'un, et faire un homme nouveau, plus exactement un homme solidaire. Si je suis individualiste, je ne peux pas être solidaire. Je fais une négation de cette réalité même de Christ. Moi, je dois me reprendre continuellement parce que mon vieil homme, il est là. Et mon vieil homme me pousse à l'indifférence. Il me pousse à l'individualisme. Il me pousse à l'égoïsme ou à rétrécir autour de mon petit groupe. Non, Christ est venu faire une humanité solidaire, une nouvelle humanité. Peut-être avons-nous perdu espoir. C'est possible, je comprends. Et je pourrais rajouter à votre liste un ensemble des motifs qui m'ont conduit à perdre espoir, parfois même espérance, pas dans le Seigneur. Peut-être un peu malgré tout. Mais Christ est venu créer une nouvelle humanité solidaire. C'est pourquoi l'Église est là pour refléter cette nouvelle humanité. Donc, Christ est venu détruire l'humanité dans son peuple, entre les personnes. Mais Christ est venu détruire aussi l'inimitié entre Dieu et les hommes, puisqu'il a été maudit à notre place. Il est venu détruire cette inimitié, puisqu'il est parlé de l'accès qui est ouvert en Christ pour nous, dans un même esprit, le Saint-Esprit. Dans la diversité de nos esprits, marcher selon l'Esprit. C'est par cet Esprit que nous avons accès auprès de Dieu. Donc, la croix, je ne sais pas quel sens vous lui donnez à la croix. Alors, bien sûr, c'est l'immense amour de Dieu pour nous. Mais la croix est là, deux bras, pour dire la fraternité, la solidarité entre l'humanité, particulièrement son Église, mais l'Église ne peut pas être solidaire du monde. Je n'ai pas dit du mal, j'ai dit du monde. Considérer le monde comme des gens négligés, etc. Non, c'est pas ce que Dieu a fait, puisque le Fils de Dieu s'est incarné pour venir dans le monde et pour sauver le monde. Christ nous a réconciliés en lui, mais il y a aussi l'aspect vertical de la croix. Christ est venu réconcilier des hommes, l'humanité, en tout cas ceux qui croient, parce que les autres ne peuvent pas être au bénéfice de ça sans la foi, les réconcilier avec Dieu. Il est donc notre paix, il a ouvert vers cet accès vers Dieu. Je voudrais terminer par le troisième point, mais avant de le faire, je voudrais dire ceci, Paul affirme bien, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un, l'unité,
Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Avec Dieu, les choses s'harmonisent. Mais Dieu, ce n'est pas moi. Moi, je suis un enfant de Dieu et je dois veiller à cette harmonisation. Et ça me pose problème. Une harmonisation avec des distinctions. Voilà pour l'œuvre de Christ. Et cette, si on revient aux paroles de Jésus, « Paix à vous, shalom », Jésus a envoyé ses disciples. Il les a envoyés en vue du pardon. Et Esaïe aussi écrit ceci, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager de bonne nouvelle qui publie la paix. Du messager de très bonne nouvelle qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Ton Dieu règne. On peut y voir les prophètes et les apôtres. J'y vois assez souvent, parfois j'entends des jeunes chrétiens qui ont une capacité de témoignage extraordinaire. Ça n'a pas été mort chez eux encore. Et je suis étonné de voir cette facilité de témoignage. Il y a une personne qui n'est pas là parmi nous, mais que j'ai accueillie dans mon bureau la semaine dernière. J'ai été étonné de la capacité qu'elle avait. Et j'ai été étonné aussi au sein de l'Église par rapport au parcours Alpha, de voir comment nous avons pu inviter des personnes assez facilement. Ça fait partie de notre témoignage. Au matin de Pâques, Jésus dit à Marie-Madeleine, « Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » C'est extraordinaire de pouvoir dire dans la prière « mon Père », de pouvoir lui dire nos échecs, pouvoir lui dire, mais Seigneur, je sais que tu ne veux pas ça, je veux encore prier. Même si c'est cuit chez moi, toi tu peux raviver la flamme, tu peux rallumer la lumière. Trois aspects que je veux relever du verset 19 au verset 22. D'abord, Paul dit, vous n'êtes plus des étrangers. Si vous êtes venu au Seigneur, vous n'êtes pas un étranger parmi nous. Et Paul dit, vous êtes concitoyens des saints. En fait, nous faisons partie d'une nouvelle nation, du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu sur son peuple, règne de sa volonté, règne de ce qu'il souhaite, prise en compte, bien sûr, aussi de ce que nous demandons dans la dépendance du Seigneur. C'est notre privilège, c'est notre responsabilité faire partie du royaume des cieux. Alors, où est-ce qu'il est, ce royaume? Là où il y a les chrétiens. Nous ici, nous, là où nous allons, les autres églises, en Afrique, en Asie, le royaume de Dieu est sur toute la terre. Il continue de se répandre. La nation d'Israël n'est pas qu'en Palestine. Ça, c'est le sens politique, mais le sens spirituel. La nation d'Israël, c'est tous ceux qui sont fils d'Abraham, c'est-à-dire qui ont la même foi qu'Abraham. Et elle est partout, là où il y a des chrétiens, à Paris, à Kinshasa, à Kiev, même à Moscou, là où il y a des chrétiens, vous le savez et vous le démontrez très bien dans votre manière d'être. Quand Jésus demande à Pierre de tuer et de manger des animaux impurs, alors Pierre, c'est un puriste. Il est resté dans l'Ancien Testament. Non, j'y vais pas. Aller dire l'Évangile à Corneille, à des Italiens. Non, attendez. Moi, je suis un bon juif, même si je suis chrétien. Et Jésus doit lui dire pour la troisième fois, tue et mange. Vas-y, ouvre-toi. Va là où le Seigneur te demande, mais vas-y fidèlement. Alors, il traîne les pieds, Pierre. Il y est allé. Tant qu'on y va, même si c'est en traînant les pieds, c'est déjà pas mal. On sait très bien qu'on traîne les pieds à bien des endroits, mais on y va parce que le Seigneur le demande. Mais c'est notre premier privilège, ici, que cite l'apôtre Paul, nous sommes concitoyens des cieux. Et les cieux touchent la terre, puisque le Saint-Esprit est là. Le deuxième aspect, il dit, vous êtes membres de la famille de Dieu. Dieu a une famille. En Christ, juifs et païens sont
concitoyens du royaume de Dieu, mais membres de la famille de Dieu. Ils sont frères et sœurs. L'Église n'est pas une hiérarchie. L'Église est une fraternité. Si vous êtes attentif à ça, vous verrez que ça va rentrer dans votre lutte. Il y a juste un fils aîné, si j'ose dire, c'est Jésus-Christ, qui est né de Marie, mais Jésus nous appelle frères, frères et sœurs. Alors, est-ce qu'entre frères et sœurs, il doit y avoir une hiérarchie du frère par rapport à la sœur? C'est intéressant. Alors, comment se fait-il qu'il y a tant d'hiérarchies? Alors, je sais qu'il y a Genèse 3, mais il y a Genèse 2, il y a Genèse 1, qui a les aspects sociologiques, mais notre société a peut-être trop souvent guidé l'Église et qu'il faut entendre ici l'Évangile. Troisième aspect, je suis toujours un petit peu gêné avec ce que j'entends, bienvenue dans la maison de Dieu. Je suis un petit peu gêné avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la maison de Dieu, c'est quoi, c'est qui? C'est plus fort, c'est nous, c'est les personnes, c'est là où l'Esprit de Dieu habite. Alors si je vous dis « bienvenue dans la maison de Dieu », ça veut dire que vous n'étiez pas dans la maison de Dieu avant, que vous n'étiez pas maison de Dieu. Ça me gêne, ça. C'est-à-dire que nous gardons l'idée que la maison de Dieu, c'est les murs. Non. Dernièrement, dans une réunion, je ne voudrais pas dire « bienvenue à l'Église ». Si je dis « bienvenue à l'Église », alors ça, c'est du français, c'est les murs, c'est l'espace. Mais moi, je voudrais vous dire « bienvenue, Église ». Parce que même si vous êtes au loin et que l'Esprit de Dieu habite en vous, vous êtes Église. Le Saint-Esprit, il est là. Vous voyez la différence? Il est important que vous sachiez que si vous êtes au supermarché, vous faites partie de l'Église. Et si vous êtes en train de payer, vous faites encore partie de l'Église. Attention à ce que vous dites, parce que le Saint-Esprit, il est là. Partout où on va. Et l'Église est extrêmement dynamique. C'est de l'Ézéchiel, ça. Ça va de partout. Ça se croise un peu comme les petites lumières à la télé pour les joueurs de football. Ça se déplace de partout, l'Église. Et il est dit ici, vous êtes temple de Dieu. Vous êtes le lieu où Dieu habite par son esprit. Plus exactement, temple de l'esprit. Et un jour, Dieu sera tout en tous. Mais quel privilège! Mais où est-ce que je dois me rendre pour prier si je suis temple de Dieu? Là où je suis, je n'ai pas besoin d'aller à Fatima, ni à Lourdes, ni à Genève. Mais cependant, la communauté, c'est important. Parce que je ne suis pas le temple de Dieu. Je ne suis pas l'Église tout seul. Petite partie de l'Église. Et chaque Église locale est une partie de l'Église. Et nous sommes tous connectés par le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de prise. Hein. Le Saint-Esprit le fait tout à fait normalement, mais on a aussi besoin de rassemblement pour bénéficier de la fraternité, de l'amour, d'une œuvre commune que nous assumons. Pour terminer, Christ est notre paix. L'apôtre Paul écrit. Il nous donne une responsabilité importante. Vous connaissez ce texte. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous. C'est-à-dire qu'il faut parfois aller très loin. C'est vrai que parfois on est obligé de faire du pacifisme. On concède alors qu'il ne faudrait pas concéder. Mais si on fait du pacifisme et qu'il n'y a pas de justice, il y aura la guerre un peu plus tard. Dans les Balkans, on a fait des traités de paix, mais ce n'était pas juste. Ça s'est défait complètement. À chaque fois que j'établis un compromis qui est injuste, la guerre est annoncée. On ne le réalise pas, mais il s'agit pour nous d'avancer pas à pas de manière paisible, mais dans la justice. Car le règne de Dieu, c'est la justice, la suite, la paix.
On va de la justice à la paix. Mais si on n'est pas juste, on ne fait qu'éloigner les personnes les unes des autres, s'éloigner et provoquer l'éloignement. Mais Christ est-il notre paix? Jusqu'où est-il allé? Alors on ne pourra pas aller jusqu'où il est allé, ça ne sert à rien. Mais quand même, il faut laisser vivre Christ en nous. Et la paix, c'est un joyau précieux qui nous permet de bâtir. C'est ce que le Seigneur veut faire et nous aider en nous. N'y allons pas seuls, on sera en échec automatiquement. Jésus-Christ est notre paix. Je vous invite à prier. Nous allons prendre encore la Sainte Cène ensemble. Et je voudrais, après la prière, lire ce texte important de Gethsémané où Jésus lutte contre sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon parce que si souvent nous nous intéressons finalement pas assez à la justice, à ce qui est juste. Si souvent nous avons du mal à nous remettre en cause, nous savons plus facilement remettre en cause l'autre et nous ne voyons pas nos obscurités. Et je veux te demander pardon. Seigneur, tu es notre paix, tu es venu abattre les murs de séparation, mais jamais les distinctions. Nous voulons te remercier pour la richesse des distinctions, la diversité de ton Église. Aide-nous à nous apprécier les uns les autres, apprécier cette richesse. Mais aide-nous à te prendre comme un diapason dans nos vies. À entendre ces paroles que la paix arbitre en nous, que nous soyons des artisans de paix, que nous travaillons à la réconciliation du monde. Viens à notre secours, nous t'en prions. Et alors que nous voulons partager le pain et le fruit de la vigne, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi et te dire notre reconnaissance. Amen. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation ». Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre et se mit à genoux et pria, en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Je voudrais vous poser une question. Pardonnez-la-moi. Quelle a été la dernière fois où votre volonté était extrêmement forte, faite de plaisir et de facilité, et vous saviez que vous n'alliez pas dans la direction de Dieu? Quelle a été la dernière fois où vous avez mené ce combat? Peut-être que vous êtes plus sage et plus fort que moi, mais ce combat, je le connais régulièrement en moi. Et je pense que si nous sommes honnêtes, nous le connaissons tous, sauf si nous ne l'assumons pas, c'est-à-dire que nous avançons comme nous voulons. Christ a connu des grumeaux de sang, de sa sueur, c'est dire toute sa souffrance. Et pourquoi? Ce n'était pas pour son honneur, il a été méprisé sur une croix. Mais c'était pour nous relever, pour nous avoir auprès de lui. Comme quoi, parfois, il faut accepter d'être méprisé, rejeté. Mais si ça permet de relever un certain nombre de personnes par notre moyen, que le Seigneur soit béni. Nous allons distribuer le pain et le fruit de la vigne. Si Gilliane, tu veux bien nous jouer
attaché à la croix pour moi. Nous ne le chantons pas, nous l'écoutons pendant que nous distribuons le pain et le fruit de la vigne. Et nous nous attendrons pour le prendre ensemble. Est-ce que, Manuel, tu accepterais d'apporter le pain et le fruit de la vigne? Nous invitons tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur à prendre dans quelques instants ce pain et le fruit de la vigne. Ne regardez pas à vos fautes, on n'est pas là pour ça. Ou sinon, nous les confessons et nous demandons pardon, mais nous regardons au Seigneur qui nous a tant aimés, qui a payé pour nous et qui veut nous libérer de toute culpabilité. Je vous invite à prendre ce pain, nous dit le corps du Christ au Père sur la croix pour chacun de nous et même pour toute l'humanité. Mais nous sommes des privilégiés, nous y sommes venus par la foi. Ferons-nous avec leur connaissance. Prenons le fruit de la vigne qui nous dit le sacrifice de Jésus, son sang versé pour nous, son amour répandu, mais aussi la nouvelle alliance. Ce n'est pas du donnant-donnant, c'est qui nous a aimés, nous appelle à lui, et nous tient dans sa main, et son amour répandu. Amen. C'est ça. Nous avons chanté le conflit qui est sauveur, merveilleux, je le sais. Si vous avez ça, on va nous donner les paroles. Thank you.
Je vous propose encore de prier, et puis il y aura les annonces, mais je vous propose quelque chose ce soir. Avant d'aller vous coucher, je vous propose de faire le geste de la croix et de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai travaillé à la paix en ouvrant mon cœur? Est-ce que j'ai travaillé à la paix en priant pour des ennemis, des personnes qui me posent problème, ou à qui je pose problème aussi, priant pour elles, parce que je peux être aussi décourageant. Amen. Alors on va prier. Seigneur, nous venons de dire quelque chose d'important. Nous venons surtout d'entendre ta parole. Elle a résonné dans nos cœurs. Elle résonne et nous nous sentons, oui, misérables et nus. Nous avons besoin que tu souffles sur nous, que tu renouvelles ton esprit, que tu nous aides à être de vrais circoncis, que notre esprit recule devant ton esprit, devant ta parole. Nous voulons que ton nom soit glorifié dans notre Église, dans nos vies. Nous voulons t'apporter tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce matin. Nous voulons penser à Christine, particulièrement à ceux qui sont dans la souffrance, à Patrick aussi. Seigneur, nous avons besoin que tu libères à tant d'endroits, nous t'en prions. Aide-nous à mener le bon combat. Amen. Quelques annonces, je ne sais pas qui les fait, mais Manu ou qui les lit. Bonjour à tous. Alors vous le voyez, ça a été